Si la flûte traversière ténor était l'instrument principal de la famille des flûtes traversières Renaissance, on sait, même s'il n'en a pas subsisté dans les musées, que des petites flûtes alto en sol ont été utilisées. Cette petite flûte est décrite dans certains traités et elle est aussi assez fréquemment représentée dans l'iconographie. La taille et l'ambitus de cette petite flûte la rapprochent beaucoup du fifre. Et cela nous éclaire aussi sur l'origine de l'appellation sous laquelle on la connaissait au XVIe siècle, qui était flûte d'Allemand ou flûte d'Allemagne. En effet, le fifre était l'instrument joué par les gardes suisses. Et pour les Français, les gardes suisses étaient des germanophones.